Écoutons la parole que l'Église nous donne aujourd'hui. L'Église, cette meilleure des mères, qui sait élever et faire grandir l'âme, comme écrivait sainte Sœur Faustine. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Dans son petit journal, sainte Faustine a écrit « Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront en les entendant, lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde et de la pitié que j'ai pour eux dans mon cœur. Je donnerai une force extraordinaire aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. Mon Jésus, comme tu es bon et patient, tu nous considères souvent comme de petits enfants. Nous te prions parfois sans savoir pourquoi, parce qu'à la fin de la prière, lorsque tu nous donnes ce que nous avons demandé, nous ne voulons plus le recevoir. Ma prière, comment est-elle? Est-ce que je suis conscient de ce que je demande? Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole, qui est lumière sur mon chemin vers toi. Tu es mon Seigneur unique et mon Sauveur, et je veux construire ma vie sur ta parole. Je te remercie car tu m'envoies ton esprit, afin qu'il ouvre devant moi des trésors cachés. Je te demande une grâce,
que mon cœur et mes oreilles soient ouverts, que tu me guides, que je ne perde aucune grâce que tu m'accordes dans ton amour. Je te le demande par l'intercession de Marie, Mère de la Parole, et de Sainte Faustine qui a écrit « Je ne cherche nulle part la perfection par curiosité, mais j'entre dans l'Esprit de Jésus et je médite ses actions telles qu'elles sont résumées dans l'Évangile. Même si je vivais 1000 ans, je n'en épuiserais pas le contenu. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. »